We are welcome. Not a grab some matter. Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour. May the Lord bless you. Je pense que les gens me cherchent les problèmes déjà. Vous allez m'excuser ce matin. Il y a les gens qui me cherchent les problèmes. There are people, il y a des gens qui ne craignent pas Dieu dans cette nation. Bonjour à Borel. Voilà, bonjour à tout le monde. S'il vous plaît, partageons cette vidéo au maximum de personnes. Ce matin, si... Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire, la nouvelle. Vous avez la nouvelle sur... sur mon fils, adultérin, mon fils hors mariage. Mmh.
Père, merci pour ta grâce, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Prends contrôle ce matin, Saint-Esprit, déploie tes ailes dans nos vies et manifeste ta gloire au nom précieux souverain de Jésus. Amen. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Et surtout, envoyons les cœurs. Je veux les cœurs et les pouces bleus. Les cœurs et les pouces bleus. Partage la vidéo aussi parce que je veux répondre à cette affaire-ci. Il faut que j'en parle. J'ai beaucoup réfléchi pour savoir s'il fallait parler de ça, s'il fallait répondre ou s'il ne fallait pas répondre de ça. Et à ça donc, je pense que c'est la bonne décision que j'ai eu à prendre ce matin. Et avant d'y arriver, vous savez, nous avons une grande nuit de flammes. Une grande nuit de flammes ce soir à partir de 21h ici à Douala, en Dogbon, derrière l'immeuble Kamlet. Dieu va se manifester. Donc je vous invite, venez s'il vous plaît. Et tous les hommes de Dieu qui m'écoutent, nous aurons une grande rencontre qui va changer à jamais l'histoire de votre ministère du 25 au 29 juillet à Yaoundé, par la grâce de Dieu. S'il vous plaît, ne manquez pas à ce grand programme, ce grand rassemblement, le lancement officiel, la garnison des prophètes Rohe, des prophètes Hosea, des prophètes Nebi. Mais il faut que je réponde à l'affaire-ci d'abord. On doit mettre le point sur les i et les i sous les points. Donc vraiment, si vous êtes une personne immature, ne suivez pas mon direct ce matin. Vous pouvez zapper. Je vous donne l'opportunité de le faire. Je vous donne la possibilité de le faire. Partez d'abord, après on va revenir. Dimanche, nous sommes en train de travailler sur la destruction des limitations spirituelles. Donc je vais exhorter tous les parents, toutes les familles, à Douala, Yaoundé, au Cameroun, au Togo, à Sakbato, Logoté, au Bénin, partout en Europe où nous avons des églises. Je voudrais dire à tout le monde d'être connecté ce dimanche. Viens toi et ta famille. Ne laissons personne. Ne laissons personne. Voilà, merci pour le soutien déjà. Pardon, quelques messages de soutien. Papa, nous te soutenons. Nous sommes de tout cœur avec vous. Amen. Ça c'est Mélissa Mongen. Merci Mélissa, c'est gentil. Pouvez-vous prier pour moi? Je souffre de la tête, côté gauche. Pas tout, que Dieu vous guérisse. Moi-même, j'ai les problèmes aussi. Je vais aussi résoudre ma part ici ce matin. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous guérisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Qui me soutient encore, papa, nous te soutenons à 100%. Là, c'est Michel Singler qui a dit ça. Merci, je suis très heureux de le savoir. Parce que ce que je veux dire là est très sérieux. Vous êtes puissamment bénis dans le souvenir. Le souverain nom de Jésus-Christ, ça c'est Zago Juliette. Merci Zago. Bonjour prophète depuis New York. Adama Eli Konate. Ah, merci Adama. Qui me soutient? Qui me soutient? Je vous en prie, pas d'immature. Si vous êtes immature, partez. Partez, n'écoutez pas le direct ici. Parce qu'on va parler de mon fils adultérin, ça dit que mon épouse... Feu, mon épouse ne connaissait pas. On va revenir là-dedans. Donc, si vous êtes immature, partez. Je vous en prie, partez. Partez. Demandez après que ça s'est passé, comment le dirait, c'est mieux. Donc, c'est un peu ça. Avant d'y arriver, j'ai besoin de personnes qui me donnent d'abord quelques mots d'encouragement, quelques paroles pour m'encourager d'abord. Je vais tâter le terrain pour savoir ça se passe comment. Grand-père, vous êtes une colonne dans le corps de Christ. Amen. Ça, c'est le prophète Jérémie Georges Ange. Amen. Nous sommes avec vous, papa. Ça, c'est Élisée Franck. Oh, mon Dieu, ça, c'est bien. Papa, que la grâce de Dieu demeure en toi. Ça, c'est pasteur Henri Bonquefait. D'accord, mais est-ce que vous me donnez une parole de soutien dans cette histoire-ci-là? Voilà, nous sommes avec vous, Bango Bango. Ça, c'est Yelegui Octavie. Merci. Ça, c'est bien. Ça m'encourage. Ça me donne la force de parler ce matin, de dire ce qui s'est passé. Ah. Vous savez, l'histoire est en train de chauffer. Il faut que je revienne là-dessus. Je dois revenir là-dessus. Agarita Menole. Du 11 au 14 août, c'est la convention des jeunes. La convention internationale, la jeunesse chrétienne. Ce sera à la Bible. Je veux plaider avec tous les parents de m'accorder la grâce d'avoir les enfants. Laissez vos enfants. Préparons nos enfants. Considérez ça comme une colonie de vacances, mais qui sera une préparation spirituelle pour votre enfant, pour vos enfants. Pour leur avenir devant l'Éternel, on leur enseignera comment marcher avec Dieu. Donc, ça c'est important. Vous savez, quand nous prêchons comme ça, nous parlons de la part de Dieu. Nous avons en même temps des combats que nous gérons, en même temps des menaces et tout ça. Et là, vraiment, c'est un dossier qui est en train de me brûler. C'est un dossier qui est très, très
est sérieux pour moi, l'histoire de mon fils en mariage, mon fils adultérin, que Momi Shalom ne connaissait pas. Et je pense qu'il faut mettre ça sur la table. Vous savez que d'habitude, quand il y a un problème, je préfère parler en public. Celui qui me comprend, me comprend. Celui qui me condamne. Dans tous les cas, l'œuvre de Christ ne sera pas, ne va pas moins avancer que cela. Donc nous allons aller là-dedans. On va percer l'abcès ce matin parce que je suis longtemps resté silencieux. Mais je veux des paroles d'encouragement. Depuis l'Allemagne, je prie pour vous, papa. Là, c'est Guy Christ de Dieu, bien que. Amen. Papa, nous sommes de tout cœur avec vous. Amen. Oh là là, ça c'est bien ça. Vous savez que quand les brebis tombent, les pasteurs, nous sommes toujours avec vous. Ah, nous sommes avec vous. Maintenant, quand c'est le pasteur qui tombe, combien de brebis supportent le pasteur? Elle lui donne des paroles d'encouragement. Donc, je vous en prie, j'ai besoin de quelques mots d'encouragement avant qu'on entre dans le vif du sujet. On parle de Kane Junior, mon fils. Kane Junior. Je pense que ça va se savoir. Connectons-nous s'il vous plaît. Partageons la vidéo. Un instant. Partageons la vidéo au maximum. Partageons au maximum. Tu es le choix de Dieu. C'est l'humilité. Amen. Oh, je vous soutiens dans mes prières. Amen. Papa, Dieu au contrôle. Oh mon Dieu, ça c'est extraordinaire. Ah, ça c'est extraordinaire. Papa, vous êtes un guide. Amen. Heureux d'appartenir à votre lien spirituel, grand-père. Amen. Pour le meilleur et pour le pire. Oh, nous sommes là. Ça, c'est Yelegi Octavie qui a dit ça. Est-ce que j'ai le soutien de Rema Ministry Mission? Est-ce que j'ai le soutien des églises? Est-ce que j'ai le soutien de tous mes fils? Est-ce que j'ai le soutien de tous mes fils ce matin? Est-ce que j'ai le soutien de tout le monde? Parce qu'après ça, vraiment, je ne vais pas être crucifié. Ou si je suis crucifié, il n'y a pas de problème. La gloire revient à Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je suis un homme. Donc, il peut arriver à un homme de faire de faux pas. Ça peut arriver. Pas seulement que ça soit une habitude, ça ne doit pas être une habitude, mais c'est une possibilité dans tous les cas. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui comptent sur moi, ça veut dire qu'ils ne s'attendent pas à un certain nombre de choses. Mais je crains de les décevoir ce matin, mais dans tous les cas, c'est la vie. Nous avons une seule vie. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je répète, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, quelqu'un peut commencer mal avec Dieu et finir bien. Je sais qu'il y a tellement de critiques sur ma personne, tellement d'ennemis, mais mes ennemis ne sont pas plus nombreux que ceux qui m'aiment. Et ceux qui m'aiment, si tu m'aimes ce matin, s'il te plaît, dis-moi une parole de soutien avant que je n'aille dedans. Donne-moi une motion de soutien avant que je ne fasse la déclaration que j'ai faite, la confession que j'ai faite, que je n'aborde le sujet de cet enfant caché, qui n'a pas été connu, qui n'a pas été expliqué au grand jour. Donc, s'il te plaît, une parole. Courage, papa. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Ça, c'est Brigitte d'Ardoise. Je me connecte à toutes les prières et je vous. Nous sommes en prière pour vous, Daddy, depuis Genève, en Suisse. Waouh, ça, c'est Servante Elie-Marie. Ah, que Dieu vous bénisse là-bas. Merci pour votre soutien. Nous sommes avec toi. J'espère que vous n'allez pas me vomir ce matin. Vous savez, je vous ai toujours soutenu. Je vous ai toujours aimé, encouragé, fortifié dans les moments les plus compliqués. Donc, aujourd'hui, j'ai besoin de vous. Rema est là-haut, Daddy. National comme international. Amen. Votre ministère m'a fait beaucoup de bien depuis 2017 jusqu'à ce jour. Donc, je vous suivrai jusqu'à Golgotha. Merci. Papa, nous vous connaissons déjà derrière. Voilà. Merci. Amen. Vous avez le soutien du ciel parce que vous êtes un héros céleste. Amen. Seigneur, merci pour tout cet amour qui est en train d'être manifesté ce matin. Voilà, tous les habitants de Douala, ce soir, je sais que Dieu va déployer son prophète en ta faveur. Ne manque sous aucun prétexte. Merci, homme de Dieu, je suis vraiment béni par vos enseignements. Merci. Merci pour votre soutien aussi. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Vous savez qu'à un certain moment, quand vous devenez une personnalité publique, les gens s'intéressent à votre vie, on fouille à gauche, à droite, on veut comprendre. On veut comprendre qui vous êtes, connaître les choses qui se passent derrière le rideau, etc. Et c'est le message de quelqu'un que j'ai reçu qui va me pousser à décider de parler de ce sujet. Donc c'est quelqu'un qui va m'écrire, ça fait peut-être 2 semaines je pense, à ce sujet-là. Et là donc j'ai décidé en parler parce qu'il ne faut pas que vous appreniez ça dehors là-bas, que c'est monté ou bien que c'est descendu. Donc c'est important pour moi d'en parler. Et je voudrais encore revenir sur tous les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, s'il vous plaît.
tous ceux qui sont au Cameroun qui souhaitent passer ce moment de retraite spirituelle, des grands secrets seront partagés avec toi. Des secrets profonds. Oh mon Dieu, de manière pratique, nous serons en retraite dans la prière, dans la présence de Dieu. Et si c'est possible, demeurons dans la présence de Dieu du 25 au 29. Et la particularité de cette conférence des hommes de Dieu, c'est qu'en fait, la nuit des flammes, nous allons clôturer avec la nuit des flammes. Donc, nous rentrons samedi matin. La nuit des flammes sera une occasion de démonstration, de pratique. C'est-à-dire que je vais donner l'occasion à plusieurs de mes fils de pratiquer le prophétique. On va faire des leçons pratiques. La nuit des flammes du 29, c'est-à-dire la nuit des flammes de ce mois, sera avec tous les hommes de Dieu qui seront en retraite. Nous tous, on va faire la nuit des flammes ensemble. Ça sera la grande clôture du programme pendant la nuit des flammes. Et je donnerai l'occasion à plusieurs de s'exprimer sur le plan prophétique. On va faire des exercices prophétiques, des exercices, des travaux pratiques prophétiques, des TP prophétiques dans tous les cas. Donc, s'il vous plaît, soyez connectés et ne manquez pas ces grandes retraites. Même si vous avez 10 enfants, nous, ce n'est pas notre problème. Juste qu'on t'aime, c'est tout. Là, c'est galop droubli. Waouh, merci. Merci, ça me touche vraiment. Ça me touche. Quel que soit le problème, nous sommes avec vous. Bas la terre, amen, profondeur. Homme de Dieu, nous attendons ces secrets pour notre édification. Là, ça me rassure pas trop. Nous sommes en prière pour vous. Depuis le Burkina Faso, waouh, merci. Mettons les cœurs. S'il vous plaît, envoyons les cœurs et les likes. Envoyons les cœurs. Envoyons les cœurs et les likes. Je vous en prie, envoyons les cœurs et envoyons les likes. La majorité doit être informée, doit comprendre. Je ne veux rien cacher, je veux parler avec vous. Seul est meurtrier, Saul était meurtrier et la grâce de Dieu a fait de lui l'un des plus grands. J'espère que l'un des plus grands apôtres, il est devenu Paul de Tarse. J'espère simplement qu'après vous n'allez pas fuir mon église, vous n'allez pas fuir mes réunions. L'amour supporte tout, merci. Dieu ne regarde pas le passé. Ce n'est pas le passé, on parle du présent. Bon, c'est vrai que c'est le passé. Parce que l'enfant, lui, il a déjà quelques années. Voilà. Donc, maintenant, nous voulons toucher sur l'essentiel. Je veux que tu sois très attentif ce matin. Et si on a fini de partager la vidéo, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les... Ok, là, il n'y a qu'une personne qui envoie les cœurs. On t'aime toujours malgré tout. Tu es humain avant d'être un homme de Dieu. Sois et reste béni. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Ça m'encourage. Ça, c'est, vous savez, parfois, c'est quand même un sentiment bizarre pour moi d'avoir l'exhortation et l'encouragement des brebis. Parce que le plus souvent, je suis habitué à encourager les gens, à fortifier les gens et tout. Mais aujourd'hui, ce sont les brebis qui m'exhortent, qui me fortifient, qui me donnent des paroles d'encouragement. Je bénis Dieu pour cela. Waouh, je bénis Dieu pour ça. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ça me fait chaud au cœur. Nous vous soutenons, papa, c'est depuis le Togo. Amen. Papa, nous vous aimons. Nous sommes avec vous, femme vertueuse de Rema Douala. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes mon père, mon patera, Genetria, mon Nelly. Prêt à traverser le Jourdain avec vous. Merci. Merci. Merci, merci. Papa, je suis avec toi. Sois béni. Amen. Ça me va droit. Merci, c'est gentil. Merci à vous. Les cœurs, s'il vous plaît. Donc, l'histoire, en fait, a commencé il y a cela quelques années. Et j'étais en train d'expliquer que tous nos parents, tous les parents, s'il vous plaît, dimanche, à partir de 7h30, à Yaoundé, à la Bille, devons être là. Du côté de Berthois, c'est à partir de 7h30 à Mokolo 1. Hein? Mokolo 1. Le révérend Bassama sera présent. Parce que le Seigneur, je devais être à Berthois, mais le Seigneur m'a dit de rester à Yaoundé. Fini, c'est que j'ai commencé avec les familles, le brisement des limites spirituelles. Et la grâce de Yaoundé va s'étendre dans toutes les autres églises. Donc tout le monde est connecté à cela. Donc tous les habitants de Yaoundé et ses environs, chacun vient avec sa bouteille d'eau et sa famille. Ne laisse aucun de tes enfants à la maison. Ne commettons pas l'histoire, la même erreur que Isaïe a commise. Lorsque le prophète est arrivé à convoquer toute sa famille, il a laissé l'enfant même de la destinée. Peut-être l'enfant que tu vas oublier, que tu négliges, c'est même lui qui a la clé du salut de ta famille. Donc ne négligeons personne, venant avec tout le monde. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Donc, maintenant, je reviens sur le sujet.
Je ne me laisserai pas décourager par qui que ce soit ou bien distraire par qui que ce soit. Je suis un guerrier. Quels que soient les problèmes que je peux rencontrer dans le ministère, je n'abandonnerai jamais mon poste. Je ne me laisserai ni influencer, ni décourager par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Quand bien même mon passé ressurgirait pour essayer de me causer quelques sales tours, je me défendrai jusqu'à ce que j'accomplisse ma mission. Je suis un guerrier, je suis un soldat, je suis dans un champ de bataille et pour moi, il est important de continuer à lutter, à mener cette guerre jusqu'à bon port sans me laisser influencer ou bien intimider par quoi que ce soit. Donc cette histoire d'enfance, mon fils là, mon fils inconnu, qui aujourd'hui sera connu du monde entier, cette histoire, c'est une histoire qui m'a beaucoup attristé. Toute la nuit, j'ai pensé à ça. J'ai réfléchi à ça. Je me suis demandé, est-ce qu'il faut parler de ça ou pas? Vous savez, en tant qu'homme de Dieu, lorsque vous commencez à monter, pas seulement homme de Dieu, toute personnalité publique, dans tous les cas, les gens voudront toujours vous faire du mal. Bon, maintenant, tu découvres que j'ai un enfant. Où est le problème de me crier et de me menacer? L'intérêt, c'est quoi? Maintenant, voici que j'en parle donc en direct. Je vais en parler moi-même en direct. Et puis, tu auras gagné quoi? J'ai dit parce que j'ai reçu un message de menace par rapport à mon fils. Par rapport à mon fils, on m'écrit des messages, on me menace. On me menace. Pensant que si on me dit non, l'affaire, si on va sortir ça en public, les gens se disent que, ok, j'aurais peur et puis je ne veux pas en parler. Voici maintenant que moi-même j'en parle, je vous dévance et j'en parle. Je pense que vous êtes connecté vous-même. J'espère que toi-même tu es connecté, toi-même qui m'as écrit, vous êtes connecté. Maintenant, ce n'est pas vous qui allez en parler en public. On va faire le déballage ensemble. Je vais déballer. Moi-même, je parle de ça avant que quelqu'un ne puisse arriver et dire que, oh non, voilà, c'est monté ou bien c'est descendu. Moi, je pense que chacun peut commettre des erreurs dans la vie ici. Mais il ne faut pas prendre les erreurs de quelqu'un pour lui faire le chantage. Moi, je suis qui dans toutes ces affaires? Je suis sûr que votre problème, c'est que les choses que Dieu fait à travers moi, si Dieu m'a fait miséricorde, et toi, tu veux me condamner, c'est ton affaire. C'est ton affaire. Parce que les gens pensent que les choses que je fais là, je les fais de moi-même ou bien pour mon propre compte. Sincèrement, je ne sais pas d'où elles viennent. Je ne le sais pas. Cette gloire n'est pas à moi. Elle est de Christ. Elle est de Jésus-Christ, mon sauveur. Elle est de Jésus. Maintenant, vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas venir me tuer pour quelque chose qui ne m'appartient pas. Non. Voyez les foules, voyez les miracles, les prophéties, etc. Les gens te disent, c'est un homme à battre. Mon ami, je t'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Je ne suis jamais venu en direct insulter quelqu'un. Je n'ai jamais fait ça. Ou insulter un homme de Dieu, ou parler mal d'une église, ou bien de quelqu'un, ou bien saboter quelqu'un. Je n'ai jamais fait ça. Dieu m'a toujours accordé la grâce de faire ce pourquoi je suis né. Malgré vents et marées, je me concentre à cela. Je ne suis jamais venu m'immiscer dans la vie de quelqu'un ici en direct. Mais comme ça devient déjà une histoire de menace, je veux parler en public. Tout le monde va savoir. C'est même pas que je voulais cacher. Je n'ai rien à cacher aux gens. C'est même pas que je voulais cacher. Il faut que les gens comprennent cela. Donc j'ai trouvé bon de parler de cela. Envoyez-moi le cœur, pardon. Je ne suis pas le premier homme de Dieu qui a des problèmes. Je ne serai pas le dernier. Non. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quelqu'un peut avoir des problèmes aujourd'hui, mais demain c'est bien. Il finit bien. Ou c'est pas parce que ton frère est tombé aujourd'hui que tu dois prendre ça et aller. Ce n'est que dans l'église qu'on voit ces folies. Que quelqu'un est dans les problèmes et puis on veut prendre ça. On prend ça, on veut le dénigrer avec. Tu penses que si tu dis que j'ai un enfant caché, ceux qui m'aiment vont m'aimer jusqu'à la mort. Non, Jésus a dit, je n'ai perdu aucune des brebis que tu m'as données. Vous pensez, un pasteur ne perd pas le troupeau de son pâturage. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un m'abandonne parce que j'ai un enfant dehors, c'est-à-dire que cette personne n'était pas pour moi. Les gens qui sont pour moi, même si je fais quoi, seront là pour me soutenir. Vous pensez que c'est quel genre de filiation, quel genre de relation filiationnelle qui fait que les gens ont... Vous avez la loyauté des gens seulement quand tout va bien. Mais quand vous commettez des erreurs, les gens fuient. C'est que ces gens-là ne vous servent à rien en réalité. La réalité d'une relation, c'est-à-dire que l'efficacité d'une relation, c'est lorsque tu as des problèmes.
et que les gens sont là pour toi, les gens sont prêts à mourir pour toi. C'est ça la vérité. Donc, mais si les hommes m'abandonnent, Christ ne m'abandonnera pas. Non. Je ne suis pas le premier homme de Dieu qui a eu un enfant hors mariage, ou bien le dernier qui a eu un enfant hors mariage. Moi, je pense que le prophète, c'est Singila, je pense. Ingila, au Nigeria. Il a eu un enfant de Dieu, il a confessé devant son église, et les gens sont venus. Les gens l'ont soutenu, l'église a grandi même après. Pourquoi? Parce qu'on a compris qu'il a fait un faux pas. Quand les brebis font les faux pas, les pasteurs sont là pour elles. C'est normal que lorsqu'un pasteur fait un faux pas, que les brebis soient aussi là. Parce que toi, quand tu as des problèmes, je ne te condamne pas. Je ne vais pas te menacer sur Facebook. Non, je prie avec toi. Je pleure même. Je pleure. La plupart du temps, je pleure devant Dieu. Je perds l'appétit. Maintenant, pourquoi quand moi, homme de Dieu, j'ai aussi un problème, tu viens me menacer et tu vas publier ça sur Facebook? Oh non, il y a telle chose. Et si c'est connu publiquement, ça va causer quoi? On va donc voir ça. Maintenant, je vais en parler en public. Et je vais voir, tu vas voir. On va voir si mon église va se vider. Ça, c'est les bêtises, vraiment. Ce qui tue l'église, c'est la calomnie. Ce qui tue l'église, la calomnie, la haine. Si ce n'est pas la méchanceté, c'est quoi encore? Ce n'est pas la méchanceté. Si l'église au Cameroun était unie, je vous dis la vérité, si l'église était unie, nous serions forts. On ne laisserait pas mourir nos héros. On ne laisserait pas mourir nos héros. On défendrait nos hommes de Dieu. Même s'il y a eu quoi, si l'homme de Dieu traverse n'importe quoi, on devrait être là pour le couvrir. Allez voir ce que les catholiques font. Allez voir ce que les musulmans font. C'est ça la réalité. Mais c'est dans l'église de Jésus-Christ qu'il n'y a pas ces choses-là. Non, mes amis. Vous ne pouvez pas me rejeter parce que j'ai fait l'erreur d'avoir un enfant dehors. Tu ne peux pas me rejeter pour ça. Non. C'est que tu ne m'as jamais aimé. Ou bien parce que parfois, vous voyez, lorsque les hommes de Dieu sont en difficulté, ne voyez pas seulement l'homme de Dieu en difficulté. Regardez le don que cet homme de Dieu porte. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. La grâce qu'il porte, la gloire de Dieu qu'il porte. Et sauvons cette gloire en sauvant cet homme. En sauvant cet homme, en l'aidant à sortir de sa situation. Merci, je vois quelqu'un qui dit que l'enfant c'est un don, l'enfant c'est un don de Dieu. L'enfant c'est un don de Dieu. En te donnant cet enfant, il a su pourquoi papa. Merci ma fille, que Dieu vous bénisse. Oh ça c'est bien ça. Voilà, merci prophète, il y a plus de gens qui t'aiment plus. Vous êtes un humain en qui Dieu prend plaisir de vivre. Oh, ce qui est à vous et à vous. Amen. Frère, merci beaucoup. Donc, c'est un peu cela. Et il faut que je présente même cet enfant. Je le présente dimanche à l'église, à Réma. Que les gens, je sais qu'il sera beaucoup aimé. Donc, l'affaire commence il y a de cela 2 semaines. Je reçois un message de l'une de mes filles qui me fait une remarque. Et là, c'était quand le prophète Joël Francis Tatou était là, au palais des sports de Ouarda. Donc, elle m'a écrit tout un long message, des séries de longs messages. J'ai commencé par lire au début, j'ai lu. Bon, la vérité, c'est que moi, quand les messages sont trop longs, je ne lis pas. Quand on m'écrit des longs messages, donc je profite aussi pour dire à tous ceux qui m'écrivent sur WhatsApp, sur mon WhatsApp, s'il vous plaît, quand vous m'écrivez, écrivez, soyez bref. Faites un résumé. On a résumé le texte. Faites un résumé. L'essentiel, c'est important. Parce qu'il y a des milliers et des milliers de messages que je reçois. Donc, elle écrit, je vois d'abord les longs messages et je zappe, je passe. Et à un certain moment donc, elle va, je vais voir un message sur mon fils là. Je vois un message sur mon fils. Et elle me crie, elle me dit ceci. Elle revient sur un épisode qui s'est passé au palais des sports lorsque le prophète Joël Francis Tatou a prophétisé sur ma belle-sœur que vous connaissez tous, Mireille Mousseni Rose. Et donc, il va prophétiser sur elle. Et il va lui dire que, il va dire que dans la voiture, il a subi son nom, quelque chose comme ça. Et il va dire qu'il a dit à son épouse qu'elle s'appelle comme ça, comme ça. Et après ces choses-là, il va prophétiser sur Mireille en disant qu'il la voit avec un fils qui a les dents écartées ici. Je pense que les gens se souviennent de la prophétie. Qu'il a les dents, un écart ici, au niveau des dents. Et il paraît que lorsque la prophétie est venue sur Mireille, j'ai tapoté Mireille. J'ai tapoté Mireille à l'épaule. Je l'ai tapé à l'épaule. Et Mireille a dit,
Quand il a dit, oui, je vois, tu as un fils qui a les dents ouvertes comme ça. Et Mireille a répondu, c'est le premier fils de Daddy. C'est le premier fils de papa. Et donc, et bon, il paraît que j'ai tapé l'épaule de Mireille lorsqu'elle s'est levée pour la prophétie. Et dans le commentaire, cette sœur qui m'a écrit va donc m'expliquer qu'ils étaient assis derrière, dans les gradins, derrière, loin là-bas, donc derrière moi, et ils observaient la scène. Et elle me demande pourquoi est-ce que j'ai tapé le dos de Mireille, ma belle-sœur. C'est comme si ça cachait quelque chose. Lorsqu'elle a dit que c'est le premier fils de Daddy, de papa, c'est le fils de papa, elle dit qu'en ce moment, vous avez tapé son dos. Un peu comme pour cacher quelque chose. Un peu comme si vous ne vouliez pas qu'elle divulgue que vous avez un enfant ensemble. Un peu comme si vous aviez un enfant adultéré, un enfant hors mariage. Un enfant hors mariage avec votre belle-sœur. Et donc, c'est sorti, la parole est sortie de sa bouche comme ça. C'est le premier fils de Daddy. Vous avez tapé son dos. Et puis, comme pour dire, non, ne déclare pas ça en public. Comment est-ce que tu peux dire ça en public comme ça? Voilà, il y a des gens qui disent, oui, je m'en souviens. Il y a tes corps qui disent, oui, c'est vrai. Voilà. Voilà, donc il y a des gens qui se souviennent. Donc, elle me dit donc que elles étaient assises avec quelques prophètes, quelques hommes de Dieu. Et ils ont commencé à faire des commentaires. Pourquoi il n'a pas voulu qu'elles disent que c'est leur fils? Donc ça veut dire certainement qu'ils cachent quelque chose. Sa belle-sœur et lui, certainement, ils ont un enfant. C'est leur enfant ensemble. C'est leur fils. C'est leur secret familial. Et donc, à cause de la prophétie, sa bouche a glissé. Puis elle a parlé. Lui, il tape en retard. Mais le monde entier déjà au courant qu'en fait, ils ont un fils ensemble. Et ce fils s'appelle Loïc Mbala. Vous voyez, Loïc Mbala, il est en France aujourd'hui. Il a près de 30 ans aujourd'hui. Donc, lorsqu'elle va me dire ça, quand je lis le message, et là, je suis un peu dépassé, en fait, et je l'appelle, je crois que j'ai appelé. Quand j'appelle, elle me dit, non, vraiment, on a raisonné. Et ça, c'est quelqu'un qui se dit être ma fille. Elle est à Réma. Elle dit être ma fille. Ma fille. Et je lui ai demandé que, ok, donc comme j'ai tapoté l'épaule de ma belle-sœur, ça veut dire que l'enfant là, c'est mon enfant avec elle. C'est le secret de la famille que vous avez découvert. Elle dit, non, c'est que, oh non, c'est pas ça, mais c'est ce que les hommes de Dieu se disaient autour là, on tapait les commentaires là-dessus. Je lui ai dit, toi qui es ma fille, qu'est-ce que tu as répondu à ces hommes de Dieu? Et elle me dit que non, sincèrement, c'était quand même bizarre que vous tapiez l'épaule de Mireille lorsqu'on lui dit qu'elle a un fils. Et que non, quand elle déclare que c'est votre fils. Et je lui ai posé la question de savoir, pourquoi est-ce que vous n'avez pas imaginé qu'en tapotant l'épaule de Mireille, j'étais content pour elle, pour lui dire enfin, voici ta prophétie qui est tombée. Pourquoi n'avez-vous pas pensé à ça? Pourquoi vous avez juste pensé à ce qui est mauvais? Toi qui es ma fille, tu penses que moi, j'ai un fils avec Mireille, ma belle-sœur, et j'épouse sa sœur, et nous vivons dans la même maison, ça fait 12 ans, on est ensemble. Je lui ai dit, toi qui es ma fille, et tu ne t'empêches pas d'avoir d'aussi mauvaises pensées, des pensées. C'est-à-dire, pour moi, c'était comme si j'étais même dans un rêve. J'étais scandalisé, plus scandalisé qu'elle-même. Et je lui ai dit, et toi, avec d'autres hommes de Dieu, vous vous associez pendant le programme où Dieu est en train de bénir son peuple. Vous voyez le mal, vous voyez mon fils avec ma belle-sœur. Vous voyez mon fils adultéré avec ma belle-sœur. Au lieu de vous concentrer dans ce que Dieu est en train de faire pour son peuple. Et demain, vous direz quoi? Le programme là, Dieu n'était pas là. Le programme là, je n'ai pas été béni. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas venu avec un cœur pour être béni. J'ai venu. Je lui ai dit, comment tu peux avoir même de telles pensées sur ton père? Quelqu'un que tu appelles ton père spirituel. Comment tu peux avoir de telles pensées? Et je lui ai dit, en fait, c'est ridicule. Je n'arrive même pas à penser que ce soit vrai. Ce que tu m'as écrit là. Je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui se dit être ma fille, quelqu'un qui se dit être loyal à son père, puisse imaginer s'associer à des ennemis. Parce que ça, j'appelle ça des ennemis en fait. Pour aller imaginer que j'ai tapoté l'épaule de ma belle-sœur pour l'empêcher de déclarer
qu'on a un enfant ensemble. La Bible dit quoi? L'amour ne soupçonne point le mal. Et la Bible dit, ne médite point le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Et c'est pour cela que dans l'église, beaucoup de gens ne sont pas bénis. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que chacun sait ce qu'il vient chercher dans l'église. Chacun vient chercher ce qu'il sait. Et chacun sait ce qu'il cherche dans les églises. Comment quelqu'un, tu peux avoir le toupet de penser une chose aussi horrible vis-à-vis de ton père? Une chose qui, en réalité, avait un peu d'intelligence, en fait, est en inadéquation avec les personnes intelligentes, qui n'a aucun sens en réalité. Qui n'a aucun sens. Et je lui ai demandé ceci. Je lui ai dit que, parce que j'ai remarqué une chose, il y a certaines personnes, lorsque vous leur donnez la possibilité de vous parler, de communiquer avec vous, elles confondent les pédales, elles vous méprisent, elles vous confondent à leurs camarades ou bien à leur ego, etc. Et j'ai dit, mon humilité est un piège pour beaucoup de personnes. Lorsqu'une personne est déloyale, elle sera déloyale. Lorsqu'une personne est loyale, elle sera loyale. Il y a des gens qui sont en contact avec les hommes de Dieu, mais qui maintiennent l'écart spirituel de respect entre eux et leur père. Il y en a aussi, quand vous leur donnez un peu l'occasion qu'ils vous écrivent, c'est pour cela que je suis très rigoureux dans mon entourage. À cause des bêtises comme celle-là, à cause des enfantillages démoniaques comme ceux-ci-là. Et je lui ai demandé que, attends, Loïc, c'est le premier fils de ma belle-sœur. C'est son fils aîné. Il a bientôt 30 ans. Je pense qu'il a même 30 ans déjà. Loïc a bientôt 30 ans. Je lui ai dit, tiens, le diable vous a tellement aveuglé que vous n'arrivez pas à réfléchir. À réfléchir. Comment c'est possible? Et ça montre l'état de l'église. Ça montre juste l'état de l'église. Donc ça veut dire que j'ai eu l'enfant, je suis venu à Yaoundé avoir l'enfant quand j'étais encore au lycée, au nord, avec Mireille, ma belle-sœur. Et je suis donc reparti au nord pour revenir en 2009, faire la rencontre de Momi. Hein? Comment les gens peuvent être aussi méchants? Et en plus, la jeune dame m'écrit, elle a le toupet de m'écrire en expliquant qu'en fait, Dieu lui a révélé que tout le mois de janvier, je me suis retiré à cause d'un péché que j'avais commis. Et que Dieu ne pouvait pas lui révéler le péché que j'avais commis. C'est pour ça que je m'étais retiré pour restaurer mon âme. Et je lui ai écrit et je lui ai dit, ma fille, fais attention. Faites attention à ce que vous entendez que Dieu a dit, à votre Dieu a dit. Le philosophe Montaigne a dit, à partir du moment où les hommes se sont avisés de faire parler Dieu, chacun l'a fait parler à sa manière. Ça, c'est une enfant qui parle à son père comme ça. Que Dieu lui a révélé. Dieu lui a révélé que je me suis retiré à cause d'un péché. Et je lui ai dit, j'ai honte à ta place. Et sache que l'esprit qui te parle là, c'est un démon. C'est pas Dieu. Parce que ce que tu es en train de raconter est très faux en fait. C'est faux. Dieu t'a révélé, vous a révélé que j'ai un fils avec Mireille, sincèrement. Donc j'ai fait le fils avant de connaître leur famille, un fils, on a fait ça dans l'esprit. Comment des enfants peuvent... Et c'est pour cela que j'ai compris la vision dans laquelle le Seigneur m'a dit il y a 2 mois, que beaucoup de tes fils ne me connaissent pas, ne me craignent pas et ne croient pas en toi. Quand Dieu vous dit une chose comme ça dans un rêve, mes amis, c'est que c'est sérieux. Et ça, c'est l'exemple. Et c'est ça qui se passe dans plusieurs églises aujourd'hui. La plupart des personnes qui nous entourent savent pourquoi elles nous entourent. Elles ne craignent pas Dieu et elles ne croient pas en notre Dieu, elles ne croient pas en nous. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Et c'est ça la maladie de l'église aujourd'hui, les calomnies contre les hommes de Dieu. Et c'est aussi pour cela que beaucoup meurent dans leur péché. Beaucoup meurent sans se marier, beaucoup meurent pas de maladie, beaucoup meurent la sécheresse, tout ce que tu entreprends. Comment tu peux aller imaginer contre un saint homme de Dieu? Une anérie, c'est même pas quelque chose qui a un sens. C'est-à-dire que si, par exemple, le garçon avait quand même l'âge qui coïncidait avec le moment où je suis entré dans ma belle famille, c'est-à-dire 2010, à aujourd'hui, ça fait 12 ans. Là, on peut comprendre. On peut dire, oui, si l'enfant a 12 ans, mais un enfant de 30 ans. C'est à l'époque même où j'étais encore lycée au nord. Mais comment vous réfléchissez pas? C'est que le diable, le cœur est méchant et le diable le remplit donc de son venin. Et contre qui? Contre des hommes de Dieu. Les gens ne respectent plus les hommes de Dieu dans l'église aujourd'hui. Les gens ne respectent pas les hommes de Dieu.
Et vous allez entendre les enfants de Dieu dans les taxis insultant leur pasteur, critiquant les hommes de Dieu. Moi, j'ai l'habitude de dire ceci. Vous ne connaissez pas ce que ça coûte à Dieu de forger un homme de Dieu comme moi et comme mes frères. Vous ne pouvez pas savoir par quoi nous passons. Et c'est aussi pour cela que Dieu est jaloux de ses serviteurs. Ne touchez point à mes oies, ne faites point de mal à mes prophètes. Ne faites point de mal à mes prophètes. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Beaucoup ne se marieront jamais. Beaucoup vont mourir de maladies. Beaucoup seront frappés par la colère de Dieu dans leur vie à cause de ces paroles. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus dit ceci. Je vous le dis en toute vérité, au jour du jugement, chacun rendra compte de toute parole vaine qui sera sortie de sa bouche. Et il dit encore quoi? Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Avant d'ouvrir la bouche et raconter des choses sur quelqu'un, bien-aimé, on ne devrait même pas t'enseigner ça. En tant que chrétien, tu devrais faire attention. Parce qu'il est écrit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Ça veut dire que si ce que tu racontes sur quelqu'un est faux devant Dieu, mon ami, tu es condamné. La malédiction est sur toi, tu es sous la condamnation. Mais c'est cette maladie qui est dans l'église aujourd'hui. Les gens racontent les calomnies, les médisances, les boursadages. C'est-à-dire, on répand des mauvaises nouvelles, des fausses nouvelles. Les faux témoins dans l'église, c'est ça la gangrène, c'est ça le cancer qui est en train de ruiner l'église aujourd'hui. Mais malheur aux artisans de calomnie, malheur aux artisans de calomnie, malheur aux artisans de calomnie. Parce qu'ils n'échapperont pas à la justice de Dieu. Ça, c'est la vérité. Ils n'échapperont pas. La Bible dit, il est impossible qu'il n'arrive pas le scandale, mais malheur à celui par qui le scandale arrivera. Mais je vous dis une chose. Je me pose la question. Pourquoi, mes amis, pourquoi nos enfants ne prospèrent pas? Pourquoi nos enfants ne prospèrent pas? Pourquoi ils ne prospèrent pas? Sur le plan ministériel, sur le plan spirituel, sur le plan marital, sur tous les plans là, pourquoi? Parce que vous ne respectez pas la paternité, mes amis. Vous ne respectez pas la paternité. Vous parlez sans... La Bible dit, ils injurient les gloires. Ils injurient les gloires. Vous ne respectez pas la paternité. Celui qui ne respecte pas son père ne peut rien recevoir de son père. Je pleure. Pourquoi beaucoup de nos fils n'ont pas de percée ministérielle? Moi si, dans cette nation, mes fils, on devrait entendre parler d'eux. Mais pourquoi? Parce que Dieu voit vos cœurs. Dieu sonde les cœurs. Dieu entend ce que vous dites contre votre père dans vos maisons. Et Dieu vous juge sur ça. Ce n'est pas sur le sourire que vous me donnez et tout ça. Vraiment, moi, il y a des choses que je connais sur plusieurs qui m'entourent. Dieu m'a dit, tel son cœur est comme ça, tel son cœur est comme ça, tel. Mais on vit ensemble. Mais je sais comment il faut faire attention. Je sais les limites que j'ai dans mes relations avec chacun. D'ailleurs, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ou ne connaissent même pas. Je ne suis pas trop en contact avec mon environnement. Non. Pas trop en contact. Pourquoi? Parce que les cœurs sont de plus en plus noirs. L'inconversion dans l'église est devenue une maladie qui se globalise. Les gens viennent à l'église pour chercher autre chose que Christ, que Dieu. Or, Jésus-Christ a dit ceci. On décomien non prophétène. Eis onoma prophétou, miston prophétou lemsetai. C'est le grec, ce n'est pas mon patois. Si quelqu'un reçoit un prophète, parce qu'il discerne le manteau de prophète, que cette personne porte, alors celui-là recevra la récompense de prophète. Tu ne peux rien recevoir d'un homme de Dieu en qui tu ne crois pas. Tu ne peux rien recevoir d'un homme de Dieu que tu méprises. Ce n'est pas possible. Je dis ça aux enfants. Il y a le manteau, il y a l'héritage. Mais nous risquons de mourir avec l'héritage. On part et c'est fini. Laissez-moi vous montrer une chose. Vous regardez dans l'église au Cameroun. Chacun peut examiner ça dans son église, dans son pays. Lorsque le docteur Chalai Somba est mort, depuis qu'il est mort, lequel de ses fils peut se lever aujourd'hui et dire, moi je prends le manteau de mon père spirituel? Lequel? Parce que lorsque le manteau de ton père est sur toi, tu fais les œuvres que ton père faisait et tu en fais de plus grandes. Lorsque le manteau d'Élie est tombé sur Élisée, Élie a divisé l'eau. Ce n'était pas Élisée en partant. Mais en revenant, Élisée a divisé l'eau. Il n'a plus besoin d'Élie. Il a fait ce que son père faisait. Il a fait de plus grands miracles que son père. Lequel des enfants du docteur Chalai Somba remplit le palais de sport aujourd'hui? Lequel? Lequel d'entre eux? Lequel? Personne. Qui d'entre eux remplit le palais de sport? Et vous regardez à les mecs. Vous regardez à la vraie église de Dieu. Vous regardez dans toutes ces églises. Nous avons une crise d'héritage spirituel et prophétique dans la nation camerounaise.
qui fait ce que son père faisait. Qui fait ce que son père faisait. Non, sincèrement, il faut que les gens comprennent. Nous prenons le cas même du docteur Djenedo Kamden, qui est quitté du Cameroun. Lequel parmi ses fils fait ce qu'il faisait. Parce qu'il faut que les gens comprennent. La paternité est une réalité, on ne triche pas dedans. Tu peux rire avec ton père, pourtant tu l'insultes en secret. Tu peux rire avec ton père en public, pourtant tu le maudis dans ta maison. Lequel des fils du général Djenedo Kamden fait ce qu'il faisait. Il remplissait l'agence, le car. Remplissait l'agence, le car. C'était pas moins de 6000 personnes assises à l'agence, le car. Parce que je le parle, je le dis parce que moi-même j'étais à l'agence, le car. Hein? Lequel de ses enfants fait ce qu'il a fait au Cameroun? C'est en cela qu'on reconnaît qu'il y a le manteau sur quelqu'un. Tu ne peux pas dire c'est mon père, c'est mon père. Tu dois faire ce que ton père fait et faire des choses plus grandes. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que je fais, vous en ferez même de plus grandes. Qui parmi mes fils se démarque aujourd'hui? Lequel? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis toujours ceci. Le jour où j'aurai un fils qui va plaire à Dieu, qui sera comme moi devant Dieu, dont l'esprit, son esprit et mon esprit deviendront un devant Dieu, et que Dieu lui donnera son approbation, ce jour-là, vous verrez ce fils se démarquer parmi ses frères et ses sœurs. Qu'est-ce que la Bible dit? Que Dieu a pris de l'esprit qui était dans Moïse et il l'a mis dans les 70. Et ça leur donnait les capacités d'agir comme leur père. Donc ma prière aujourd'hui, ma prière, c'est que Dieu vous change. Que Dieu intervienne. J'ai bloqué cet enfant-là. Je l'ai bloqué parce qu'elle ne méritait pas ma confiance. Elle ne méritait pas. Elle ne méritait plus parler avec moi. Parce que pour moi, j'ai considéré ça comme une haute trahison. J'ai considéré ça comme une insulte. J'ai considéré ça comme un mépris vis-à-vis de ma personne, vis-à-vis de mon Dieu, vis-à-vis du ministère que je fais. Et en plus, la grande dame m'écrit, elle m'explique que non, elle quitte le ministère, elle s'en va. Elle passe sa mission auprès de moi. Elle finit donc, elle va partir. Et j'ai dit ceci. Vous pensez que la loyauté d'un enfant à son père, c'est quand tout va bien? Si tu es un enfant, on te gronde et tu te fâches, tu dis que tu pars. Mon ami, bon pied la route, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Tu peux partir où tu veux. Un enfant qu'on gronde, qu'on discipline, on punit et il se révolte avec la sémence de Satan en lui, le père des rebelles. Un enfant à qui on fait le reproche, il se fâche. Hein? J'ai une de mes filles, je lui fais le reproche un jour à l'église. La grande dame se fâche en public. Elle se fâche, pam, elle est sortie devant l'église. Devant l'église. Après, tu vas te demander pourquoi Dieu ne me bénit pas. Parce que tu mépris son serviteur. Parce que tu n'as aucune considération pour ses ouailles. Les enfants de cette génération ne connaissent pas le sacré de la paternité. Tu vas voir un enfant, c'est-à-dire qu'il ne s'en sort même pas déjà dans son église. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à gérer le peu de personnes que Dieu lui a confiées. Mais il injurie son père, il critique son père. Il parle mal de son père. Il fait des critiques parfois même ouvertes sur les réseaux sociaux, sur son père. Maintenant, vous observez ce genre d'enfants. Regardez leur fin. Regardez leur fin. Vous allez comprendre. Regardez leur fin. Mes amis, on ne s'attaque pas à l'onction de la paternité. Ne t'attaque jamais à ton père. Ne t'attaque jamais à ton père. Ne t'attaque jamais à ton père. Même s'il a tort, tu n'auras pas raison devant ton père. Vous savez, Dieu, dans les lois de la paternité, lorsqu'on parle de ces choses-là, il y a des personnes mal affermies qui viennent faire des commentaires bizarres. Des personnes qui ne connaissent rien, des illettrés spirituels qui n'ont rien à voir avec le mystère du royaume de Christ. Ou qui ont quelques balbutiements, des premiers rudiments de la connaissance de Christ. Mais il faut que les gens comprennent une chose. Dans la guerre de la paternité, ça veut dire que dans la guerre, regardez dans la Bible, dites-moi un seul passage de la Bible où des fils se sont soulevés contre leur père et ils ont eu raison. Même quand bien même le père avait tort, donnez-moi un exemple. Donnez un exemple. Lorsque Noé, son fils s'est soulevé contre lui pour aller raconter sa nudité, le gars avait tort en fait. Parce qu'il était ivre, il avait péché contre l'Éternel. Mais est-ce que son fils a été maudit ou pas? Oui. C'est ça la vérité. Lorsque le souverain sacrificateur Élie, quoi qu'il était en conflit avec Dieu, lorsque Dieu a voulu parler à Samuel, est-ce qu'il allait directement vers Samuel méprisant la paternité? Non. Il a appelé avec la voix de son père. Parce que Dieu respecte le principe de la paternité. Donc il faut que les gens comprennent cela.
Vous savez, au Cameroun, pour certaines personnes, je bénis Dieu pour les chrétiens qui connaissent le sacré des hommes de Dieu. Ils savent, donc c'est un homme de Dieu là, il est sacré, c'est un don de Dieu, il faut le respecter. Il faut craindre Dieu, le Dieu qui porte. On respecte cet homme de Dieu, on lui donne l'honneur qui va avec. Mais il y a des personnes dont l'âme a déjà été vendue au diable, qui ne voient pas le sacré et qui vont directement vendre, c'est-à-dire mettre en péril leur vie contre l'alliance que certains hommes de Dieu portent. Vous savez, les hommes de Dieu, nos alliances sont différentes. Il y a alliance et alliance. L'homme de Dieu, Élie, lui, c'était les alliances qui tuaient. Élisée, c'était une alliance qui tuait. Papa Idaouza, c'était les alliances qui tuaient. Donc, il faut faire attention. Je vais dire aux enfants, méfiez-vous de la manière dont vous parlez de vos pères spirituels dans vos maisons. Beaucoup d'entre vous, vos ministères sont bloqués à cause du mépris que vous avez eu envers vos pères. Tu ne peux pas insulter quelqu'un qui a vu le soleil avant toi, le soleil spirituel avant toi. Tu ne peux pas combattre quelqu'un qui a dépassé des étapes que tu n'as pas encore rencontrées dans ta marche. Mon ami, c'est que tu es fou. Tu es bête en réalité. Tu ne comprends rien. Il faut faire attention. Parfois, c'est l'aveuglement que Dieu nous aide. Ce n'est même pas une histoire d'aveuglement. Moi, je pense que papa, ça veut déjà dans ce moment qu'on donne si il y a des choses qui ne devraient plus arriver. Sincèrement. Ton père te gronde, tu te fâches. Tu es quel genre d'enfant? Tu n'es pas un enfant. Tu es un rival, mon ami. Tu es un orgueilleux. Tu es un orgueilleux. Ton père te gronde en public. Tu dis pourquoi il m'a grondé en public? Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il y a souvent. Oh, je me laisse au téléphone. Il y a les gens. Quand je fais certains reproches à mes enfants en public, il y a certains gens qui disent en commentaire que non, prophète, il faut parler ça en sécurité, en privé. Ne parlez pas de ça en public. Si vous lisiez bien la Bible, vous alliez comprendre certaines choses. Si vous lisiez la Bible, tu ne comprends pas le ministère. Donc, fais confiance à ceux à qui le Seigneur a accordé le ministère. Il y a un passage de la Bible là que je voulais préparer. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Timothée 5, verset 20. Laisse-moi te lire quelque chose ici. 1 Timothée 5, verset 20. Il dit quoi? Il dit, verset 19. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Vous voyez? Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres éprouvent de la crainte. J'ai donné une sentence dimanche passé. Parce que j'ai découvert qu'il y avait des malversations d'huile de faveur par une de mes filles. Et en public, elle a menti. Elle a menti. Heureusement, dans la voiture, mon chauffeur a retrouvé le papier qu'elle m'avait remis. Le lundi où le prophète Joël Francis Tatou était là pour l'impartition. Et je suis revenu, sorti de ma voiture. Je suis retourné à l'église et j'ai lu le papier qu'elle m'avait remis. Elle a donné un nombre d'huile, de bouteilles d'huile de faveur qui étaient restées. Elle m'a remis ça. Je lui ai dit, va compter les bouteilles d'huile de faveur qu'il y a. Elle a compté, elle a écrit. Elle m'a remis. Mais elle ne savait pas pourquoi je demandais ça. Parce que l'Éternel m'avait déjà parlé. Lorsqu'elle m'a remis le nombre de bouteilles qui a été compté derrière, j'ai donc demandé, je suis sorti moi-même, j'ai appelé mon chauffeur. Je lui ai dit, va avec elle, recompter. Ils ont compté. Il y avait moins un manquant de plus de 100 bouteilles d'huile de faveur. Mais sur le papier, elle ne savait pas que j'allais aller vérifier ça. Elle ne savait pas. Et quand je lui demande où sont passées les 100, plus de 100 bouteilles de faveur, elle dit qu'elle ne connaît pas. Lorsqu'elle se rend compte que je suis énervé, elle est allée sortir un paquet de 50 bouteilles d'huile. Paquet de 50 bouteilles d'huile. Qu'elle a retrouvé ça en bas. Tu as fait comment pour connaître que c'était exactement en bas là-bas? Et il y a des choses que le peuple me dit concernant l'huile de faveur, les malversations et tout cela, les détournements des deniers ecclésiastiques. Ça ne suffisait pas. Il y avait encore plus de 50 bouteilles qui manquaient. Le lendemain, elle vient à la maison chez moi pour me dire qu'ils ont encore retrouvé d'autres bouteilles d'huile de faveur. Mais en public, elle nie. Elle dit que c'est faux ce que j'ai dit. Qu'elle ne m'a jamais remis un papier, qu'elle n'a jamais mis mentionné le nombre de bouteilles qui restaient. Lorsque vous avez, je ne veux pas dire des enfants qui ne craignent pas Dieu. Je veux dire des enfants qui n'ont jamais connu Dieu. Les enfants qui n'ont jamais connu Dieu. Jamais connu Dieu.
Parce que quelqu'un qui a connu Dieu craindra Dieu. Quand vous êtes entouré de ce genre de personnes, vous partez où? Dimanche, je l'ai chassé de l'église. Pourquoi? Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. La Bible dit, tu ôteras le méchant du milieu de toi. Le péché du vol de l'église, le vol de l'offrande, le vol des choses sacrées, c'est la plus grosse malédiction qu'on peut avoir dans une église. Vous devez savoir cela. Regardez Ophni et Phinéas dans la Bible. Tous ceux qui ont volé, qui ont méprisé les choses sacrées, c'est-à-dire les choses qui sont dévouées par interdit pour les hommes et consacrées à l'Éternel, ont été maudits. C'est la malédiction. Ophni et Phinéas ont été maudits. Leur père a été maudit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris la décision qu'il fallait prendre. Lorsque tu as un fils qui pêche contre Dieu, tu peux pêcher contre moi. On va gérer ça entre nous. Hein? On peut gérer ça. Mais quand tu pêches contre Dieu, moi en tant que berger de la bergerie, je dois sauver ma tête et ma famille. Je vais te chasser. Je vais te couper, te chasser. Parce que la Bible dit, tu ôteras. C'est l'apôtre Paul qui dit. Il dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Si quelqu'un va voler l'argent de l'église, l'offrande, les choses saines, il détourne les offrandes que les gens donnent. C'est un méchant. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Parce que si tu ne fais pas ça, si tu n'es pas strict, si tu ne frappes pas fort, c'est sur toi que Dieu frappera, sur tes enfants. Les offrandes jouent avec. Beaucoup d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu, ont perdu le sacerdoce parce qu'ils ont négligé le fait que leurs enfants profanaient les choses saintes dans la maison de Dieu. Donc je ne veux pas de malédiction sur moi. L'autre jour, j'ai grondé ma petite soeur parce qu'elle a mal géré. Je pense que je lui ai demandé de faire un retrait sur les offrandes. L'argent est resté dans son téléphone. Elle m'a plus parlé de ça. Je lui ai dit, si tu ne veux pas la malédiction sur ta vie, va remettre l'argent là immédiatement. Immédiatement. J'ai tellement tonné au téléphone, grondé, qu'elle est restée tranquille, elle n'a plus parlé. Elle a eu peur de moi. Pourquoi? Je lui ai dit, je ne veux pas que la malédiction entre dans ma famille par toi. Va me remettre ça vite. Fais-le immédiatement. Quand c'est les choses saintes, mon ami, je rugis comme un lion. Parce que je sais que ma vie en dépend. Si je gère ça mal et que Dieu me trouve complice d'un péché contre son nom dans sa maison, je suis foutu, mes amis. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Attendez. J'ai quoi, prophète? De même, nous avons été plusieurs inscrits à la conférence privée et n'avons jamais eu le lien promis durant le temps de cet événement. Demandez à vous. Vous avez, donnez-moi le numéro. Qui vous a inscrit en ligne? Voici un autre problème. Qui vous a inscrit en ligne, s'il vous plaît? Ça, c'est Michel Lewis. Envoie-moi le numéro. Monsieur Mon, ici, là, dans ma page, si ma page a plus de 100 000 abonnés. Donc, dans la page, là, le messenger de ma page, écrivez-moi, donnez-moi le numéro. Qui vous a enregistré? Parce que j'ai interdit ça. C'est une idée qu'on a eue au début. Au début, j'ai émis l'idée qu'on allait connecter les gens. Mais les techniciens n'étaient pas... J'ai vu que les techniciens ne pouvaient pas relever le défi. Et j'ai annulé cela. J'ai dit non, plus de connexion en direct. Donc, je n'ai reçu officiellement pas 5 francs de quelqu'un pour cette conférence en direct. Donc, dites-moi le numéro et envoyez-moi le numéro et le nom des personnes à qui vous avez envoyé l'argent. Je vais régler ça ce dimanche. Vous voyez? Voici maintenant une autre information qui tombe. Que les gens se sont inscrits en ligne. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant de ça. La même chose à Douala. Vous pensez, mes amis, dans l'œuvre de Dieu, faites attention. Hein? La Bible dit que Dieu est bon, c'est vrai. Mais n'oubliez pas qu'il est aussi un feu dévorant. Le même Dieu qui est bon, là, il peut tourner le revers comme ça et devenir ton ennemi. Et moi, je ne peux pas accepter que pour un homme, Dieu devienne mon ennemi. Hein? Que Dieu, je perde ma vie. Parce que j'ai négligé, j'ai arrêté, j'étais complice d'un péché contre l'Éternel. Vole-moi, on peut gérer ça. Mais si tu touches aux choses saintes, aux choses de mon Dieu, mon ami, là-bas, tu vas pas me reconnaître. Tu ne me reconnaîtras pas. Tu ne vas pas me reconnaître. J'ai chassé une déléguée de finances à Douala ici pour malversation financière. Malversation financière. Trouvez que c'est normal ça? Que dans une église où vous êtes le superviseur général, le pasteur et la déléguée de finances, j'ai une caisse et vous n'êtes pas au courant. Une caisse de plus de 2 millions, vous n'êtes pas au courant. C'est normal. Et on envoie l'argent.
On envoie l'argent. Une sœur dit que j'ai donné 100 000 francs pour l'église. 100 000 francs. Le pasteur n'est pas au courant. On a envoyé l'argent, 100 000 francs. D'accord. Où est l'argent? Parce que quand quelqu'un envoie, tu notes ça dans le cahier de l'église. Que telle date, j'ai reçu 100 000 francs de telle sœur. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a aucune trace. Elle a pris l'argent. Elle est partie avec. Je ne demande pas de rembourser. Hein. Ça, je ne demande pas, je ne t'arrête pas, je ne porte pas plainte. Tu pars. Mais quand tu seras vieux, tu te souviendras de tout ce qui s'est passé. Tu te souviendras. Donc, je vais finir avec ceci. Si vous connaissez quelqu'un dans mon environnement qui vous a... Vous avez remis les offrandes. La plupart de ces offrandes, le plus souvent, n'arrivent pas à bon port. Envoyez-moi le numéro des gens-là et leur nom. J'ai chassé une autre pasteur comme ça. Je pense que c'est l'année passée. Pourquoi? Parce qu'une soeur en Europe lui a envoyé les offrandes, lui a envoyé les offrandes pour l'église. Elle n'a jamais donné ses offrandes à l'église. Et des gens comme ça, vous dites que non, il faut en parler en privé pour qu'elle continue à frapper les gens à mon nom, pour qu'elle continue à aller devant, dire qu'elle est la fille du prophète Kané Ferdinand, ou je suis le fils du prophète Kané Ferdinand. Lorsque quelqu'un peut déjà voler Dieu, ça veut dire qu'il ne peut plus respecter quelqu'un. Tu ne respectes pas Dieu, tu ne peux plus respecter quelqu'un. Lévis 600, attendez, je fais la capture d'écran d'abord. Hein? Si quelqu'un... Quelqu'un vole Dieu, mon ami. Dieu, mais il ne respecte plus personne. Il ne respecte pas Dieu, ce n'est pas son serviteur qui va respecter. Non. Si quelqu'un peut voler l'argent de l'église, mes amis, ce n'est pas l'homme de Dieu qui va respecter. Une telle personne doit être chassée. On la chasse de l'église, tu la chasses. Elle est méchante, elle ne connaît pas Dieu, elle est méchante. Qu'elle aille mourir loin de l'église. Donc, ces choses-là, on les règle en public. On les règle en public pour que tout le monde voit leur visage. Parce que ces gens-là, demain, ils vont vous écrire sur Facebook que vraiment, je suis le fils ou la fille du prophète, continue à envoyer les offrandes. Mais si on l'expose, toi qui envoies ton argent là-bas, toi aussi qui étais victime de ces choses-là, tu vas dire, ah donc, moi c'est mon offrande, ça veut dire que mon offrande n'arrivait pas aussi à bon port. Et dans l'église aujourd'hui, les pasteurs volent. Maudit soit quiconque vole mon Dieu. Et j'ai dit ça à tous mes fils, hein. Tous ceux qui ont volé 5 francs dans le ministère, vous êtes sous la malédiction. Ça, c'est votre problème avec Dieu. Et la Bible dit que si un homme pêche contre un autre homme, on peut intercéder pour lui. Mais si un homme pêche contre Dieu, qui intercédera pour lui? Qui interviendra? Et je le dis et je le répète à tous les pasteurs de ce ministère qui un jour ont volé les offrandes, ont fait des malversations financières. Sachez que vous allez payer ça, c'est entre vous et Dieu. Moi-même, votre père, je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux plus. Quand c'est dans ce domaine, l'homme de Dieu ne peut plus rien. Quand tu touches au statut des sacralistes, des choses saintes, Dieu va dire à Samuel, pourquoi est-ce que tu perds ton temps à prier sur Saül? Le gars a méprisé mon nom. Il a méprisé les choses saintes. Il a profané mon nom et mon offrande. Lui là, il est fini. C'est ma guerre avec lui, tu ne peux plus entrer. N'intercède plus pour lui. Il a grillé son ampoule. Maintenant, c'est moi et lui. Je suis son ennemi. Toi, continue. Va me voir quelqu'un d'autre. C'est la même chose que vous devez savoir aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a dit non. Aujourd'hui, pourquoi Dieu ne frappe plus comme avant? Je lui ai dit que Dieu frappe. Mais on est tellement incrédule et dans un monde tellement moderne qu'on se dit que non, c'est la sorcellerie. Pourquoi Dieu ne te frappe pas de mariage? Tu accuses ta grand-mère. Que non, ma grand-mère m'a attaché au village. Je ne me marie pas. Tes affaires ne fonctionnent plus. Tout ce, la sécheresse autour de ta vie. Ah non, non, c'est sûr que c'est l'héritage de mon père. Pourtant, c'est parce que tu avais volé il y a cela 10 ans dans la caisse de l'église. Mes amis, qui vous a dit qu'on doit prendre Dieu pour ennemi? Tu dois m'avoir pour ton ennemi, on peut s'arranger. Mais Dieu, il faut faire attention. Il faut faire attention. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Les habitants de Douala, aujourd'hui, si tu manques la nuit de flamme, si, mon ami, c'est que tu es dans les problèmes. Tu es dans les problèmes. C'est que tu n'aimes pas ta vie. Non, non, tu n'aimes pas ta vie. Et dimanche, à Yaoundé, nous sommes déjà là pour le culte et ça sent déjà la conférence des Rohais, le lancement, la garnison des prophètes. Tous les hommes de Dieu qui veulent participer à ce programme, je pense que c'est lundi, on commence lundi. Donc normalement, même à partir de dimanche, tu devrais être là. Prends ça très, très au sérieux. Vraiment, tu peux fermer ton église ferme, tu peux laisser quelqu'un gérer, les gérer, mais toi, ne manque pas, ne manque pas. Ne manque pas à ce programme, je t'en supplie. Dieu fera des choses terribles et redoutables. Après ces choses, verrez l'explosion prophétique qu'il y aura dans la nation camerounaise. On ne parle pas seulement des prophètes de Rohe, mais ce sera une élévation des Rohe, des Nebi et
et de Hosée, et qui sont tous des chamas, avec Shamaou, Shaumaou, en hébreu veut dire gardien, gardien, Shamaou, veut dire gardien. On appelle le prophète Shamaou, c'est-à-dire prophète gardien. Nous sommes des gardiens. Dieu te oindra et ta main dans cette nation sera reconnue. Tu veux marquer ta génération. Tu ne veux pas mourir dans l'anonymat. Tu veux que ton ministère soit distinct et ait des signes distinctifs. S'il te plaît, du 25 au 29 juin, à Yaoundé, à Labi, viens, enfermons-nous dans la présence de Dieu. Crions jusqu'à ce que Dieu nous exauce du haut des cieux. Pour ce qui concerne la nuit des flammes, rendez-vous tout à l'heure à partir de 21h. Que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Bye.